qui va terminer le concours. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à Caroline 7. En vous parlant également de Cécile Canquetot, qui vient de terminer quatrième de l'American Cup, et donc qui n'est pas à Saint-Nazaire, mais c'est une performance remarquable pour Cécile Canquetot. Voilà, puisque nous sommes à la poutre, on peut aussi signaler que nous retrouverons Isabelle Severino à Bercy dans 15 jours pour ce championnat par spécialité. Elle n'est pas présente aujourd'hui car elle n'est pas encore tout à fait rétablie d'une petite blessure au doigt de pied. Caroline Seyt, qui apparaît pour la première fois sur les écrans de télévision et qui est du club de Nîmes. Elle a 15 ans et elle est entraînée par Segei et Tatiana Popa, vice-championne de France de National 3, mais qui progresse au fil des apparitions. Elle est solide et lancée, mais la poutre réserve toujours des surprises et un déséquilibre n'est pas impossible. Elle rattrape. Attention. Et double vrille en sortie. Alors pour rester dans l'actualité, Youri Astashov a obtenu 9,25 au bar parallèle, moins que Patrice Casimir, qui est pour l'instant en position de remporter sa troisième médaille d'or. Il faut attendre le passage de Sébastien Darrigade qui va suivre, et de Dimitri